Bonjour tout le monde, ou rebonjour si vous nous rejoignez. Marie. Mais qui êtes-vous? Tout va bien? Oui, tout je va ne bien. Vous connais pas, Benjamin. On espère que vous êtes en forme. Et oui, Marie, dans un grand jeu d'acteurs, est en train de vous symboliser notre thème du jour. Puisqu'aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est hyper important. Et je suis sûr qu'on se pose tous la question. Comment aider nos enfants à travailler leur mémoire? Moi, j'ai une très bonne mémoire. Notamment aussi parce que j'ai une mémoire auditive. Donc, ça veut dire avec les oreilles. Mais aussi, je ne sais pas comment on sait, mais avec la vue. J'ai du mal des fois à me souvenir même des voyages que j'ai faits qui pourtant étaient géniaux. Plus on grandit, plus c'est difficile de retenir les choses. Alors qu'est-ce qui fait qu'on a une plus ou moins bonne mémoire auditive, visuelle comme Esther et surtout comment la travailler selon les âges? On va répondre à toutes ces questions avec nos spécialistes. Tout le monde, on est ravis de vous accueillir dans la maison des parents, qui est un peu votre maison, vous le savez maintenant, avec Yasmine Ouglis. Bonjour Yasmine. Ça va? Tout va bien pour vous? Mais je suis hyper en forme. Ah bah tant mieux. Mais ouais, on s'en fout, mais pas du tout, hyper mais non, en forme. Bah non, et j'ai mis des chaussures jaunes parce que j'ai décidé qu'aujourd'hui, voilà, c'était le soleil. Okay. Super. Hein, c'est cool. Voilà. On est sur le fond du sujet. Toujours. Pour parler aujourd'hui d'une grande émission autour de la mémoire, autour du cerveau, mais surtout de la mémoire de nos enfants, de nos ados, puis... On posera aussi quelques petites questions pour notre mémoire à nous, parce que je sais que, surtout en devenant parent, on peut avoir des trous de mémoire. Ça arrive avec la fatigue. Marie, vous oubliez des choses, vous, des fois? Enceinte, j'oubliais beaucoup. J'oubliais mon chien derrière la porte en revenant de balade. Bon, tant que c'est pas votre enfant. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de truc qui disparaît de nos cerveaux. Dans cette émission, dans la fin d'émission, Yasmine, vous allez nous donner plein de ressources pour aider très concrètement et en s'amusant nos enfants évidemment à stimuler leur mémoire. Dans la rubrique « Quand j'étais petit », vous savez que chaque semaine, une personnalité nous raconte sa jeunesse. Aujourd'hui, kiff absolu, puisque c'est Gringe, l'acteur, l'auteur et surtout le rappeur qui sera avec nous en fin d'émission et qui se racontera tout à l'heure. Mais d'abord, donc, Yasmine, votre petite bande d'adolescents, vous leur avez demandé qu'est-ce que leur inspirait le sujet du jour, leur mémoire. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, j'ai des primaires et j'ai aussi des collégiens lycéens. On fait un petit éventail comme ça de tous ces âges-là. Donc, qu'ils soient plutôt primaires ou lycée, ça leur est tous arrivé d'avoir un trou de mémoire et que leur mémoire leur fasse défaut. Et d'ailleurs, je pense que même si on a une mémoire d'éléphant, même à nous, ça nous est arrivé le truc du trou noir devant la feuille. Parce que je pense que c'est ça qu'ils redoutent le plus. Bah oui, c'est un contrôle ou plus grave, je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, un DS. Le bac Ah oui, un DS, bac, oui. Bien sûr, un examen, quoi. Ouais. Bon, bref, ça, une évaluation. Bon ben voilà, comme vous voulez. En tout cas, j'avais envie de leur demander du coup pour les plus petits, qu'est-ce que c'est la mémoire? À quoi ça sert dans la vie? Est-ce que c'est utile au-delà de l'école? Ce ne sont pas des questions idiotes, ne me regardez pas comme ça. Vous avez posé des bonnes questions. Ah non, Yasmine. Et enfin, d'après eux, est-ce qu'on peut quoi? Est-ce qu'on peut muscler sa mémoire, ça va être ça? L'améliorer, très bien. Regardez. La mémoire, c'est quelque chose qui sert... non pas qu'à apprendre, mais aussi à comprendre. Bah, ça sert à conserver des choses qu'on a apprises. Retenir des choses qui peuvent être très importantes. Ça peut servir, par exemple, quand on a un contrôle, on a appris notre leçon. Tu peux te rappeler, être nostalgique. Moi, j'ai une très bonne mémoire. Notamment aussi parce que j'ai une mémoire auditive, donc ça veut dire avec les oreilles, mais aussi, je sais pas comment on sait, mais avec la vue. Je retiens facilement les poésies, l'histoire, beaucoup de choses. Quand je lis un livre, par exemple, j'arrive à me remémorer à chaque fois tout ce qui s'est passé depuis le début d'un livre, même d'une série entière. J'ai du mal des fois à me souvenir même des voyages que j'ai faits qui pourtant étaient géniaux. Bah, je me souviens des choses de quand j'étais vraiment tout petit. Bon, le maximum c'est jusqu'à 2 ans, mais c'est tout. On peut pas tellement la contrôler tant que ça, la mémoire, puisque c'est quelque chose dans ton cerveau qu'on connaît pas vraiment en fait. Je m'entraîne avec les poésies à l'école. Forcément, il y a des gens qui ont une mémoire de fou parce qu'ils l'entraînent tous les jours. À force de retenir les choses, bah, ça devient plus facile. Mais plus on grandit, plus c'est difficile de retenir les choses.
Ah bah alors bah, ça, enfin... je te confirme. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si, le code de carte bleue, quoi. Ça, ah, le trou sur le code de carte, ouais. Oui ou non? Ah oui. Genre? Je pense que ça a dû m'arriver déjà 10 fois dans ma vie. C'est horrible. Et donc, de changer de carte bleue, pendant 10 jours, t'as pas de carte et tout, c'est un enfer. Donc, on va demander à nos invités tout à l'heure si je peux faire quelque chose pour muscler un petit peu ça. Marie, oui. Rafraîchissez-nous un petit peu la mémoire, s'il Quelle vous plaît. Transition. Qu'est-ce que l'on peut dire sur le sujet du jour? Alors, la mémoire, ça permet en fait d'enregistrer les informations qui viennent d'expériences et d'événements divers, de les conserver et aussi, ce qui nous intéresse, de les restituer. Alors, ça va rassembler les savoir-faire, les connaissances et les souvenirs. Alors, elle est évidemment indispensable à la réflexion et aussi à la projection. En fait, le fait d'avoir des souvenirs nous permet de nous projeter dans le futur et ça fournit, si on peut le dire comme ça, la base de notre identité. Alors, selon l'INSERM, la mémoire se compose de 5 systèmes interconnectés qui impliquent des réseaux neuronaux bien distincts. Alors, on va un petit peu lister. La plus connue, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. Elle est à court terme, elle est au cœur du réseau. Ensuite, il y a la mémoire sémantique, c'est celle du langage et des connaissances sur le monde et sur soi-même. La mémoire épisodique, qui elle, est celle des moments personnellement vécus. Donc, c'est tout ce qui va vous servir, enfin, tout ce que vous allez vivre, vous allez l'enregistrer. C'est celle qui nous permet aussi de nous situer dans le temps et dans l'espace. Mmh. Ah tiens, je me souviens, été 2016, on était en Crète, voilà, par exemple. Elle est étroitement imbriquée avec la mémoire sémantique, justement. Alors, la mémoire procédurale, c'est celle qui nous permet de faire les choses de manière automatique, c'est-à-dire de conduire, de marcher, de faire du vélo, de jouer de la musique sans avoir à chaque fois à réactiver ou à réapprendre. Mmh. Donc ces processus, en fait, ils sont un petit peu effectués de manière implicite, de manière inconsciente. Et va avec ça la mémoire perceptive qui s'appuie sur nos sens et qui fonctionne en fait à l'insu de notre plein gré, dirait l'autre. C'est-à-dire qu'on va retenir des images ou des bruits sans s'en rendre compte. C'est ce qui nous permet de nous souvenir des voix, des visages et des lieux, et voilà, que ça nous réactive des choses. Alors aujourd'hui, évidemment, on va surtout s'intéresser à la mémoire de travail parce qu'il paraît qu'elle permet aux individus de retenir en moyenne jusqu'à 7 éléments entre 1 et 10 secondes. Évidemment, les capacités de mémoire diffèrent d'un individu à l'autre. Ça, c'est ce qui va être passionnant d'étudier aujourd'hui. Absolument, on va vous donner des billes pour progresser. Marie, 6 fois 8 48. Ça, c'est de la bonne mémoire. Le Premier ministre de Sarkozy? Non, là, ça, la politique, n'en parlez pas. Les tables de multiplication, vous pouvez y aller tout ce que vous voulez. Non, bah voilà. François Fillon, hortefeu, c'était l'immigration. Fifi, c'était Fifi. Bon, bref, moi, par contre, j'ai juste une question. Excusez-moi, parce que je ne vais pas avec vous poser des questions, mais il y a un truc que je voulais savoir. C'est est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on peut se souvenir ou pas? Parce que moi, j'ai des enfants. Il y en a un, il se souvient de choses comme si à 2 ou 3 ans, il se rappelait encore de ça. Est-ce que c'est possible ou c'est des choses qu'on leur a racontées? C'est tout, voilà. Très bonne question. On le note. Il y en a d'autres ou pas? Vous la écoutez, vous la posez en votre nom. Allez, il y aura une question d'Yasmine pour nos invités. Si vous avez vous aussi, comme Yasmine, des questions, n'hésitez surtout pas. Les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et même TikTok. Et puis bien sûr, comme à chaque fois, pour retrouver tous nos dossiers, nos sujets, rendez-vous sur la plateforme de la Maison des Maternelles et la Maison des Parents. Vous pouvez scanner le QR code. Tout de suite donc, on se dit tout sur la mémoire et surtout comment la stimuler avec nos invités paf haut de gamme, vous allez voir. Et oui, on se lance dans un vaste sujet aujourd'hui, la mémoire. Peut-on affirmer que son enfant a, oui ou non, bonne mémoire? Quelles sont les conditions nécessaires pour comprendre comment fonctionne la mémoire de nos enfants et peut-être aussi un peu la nôtre, et pour savoir comment la stimuler, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Simonetto. Bonjour. Bonjour Benjamin. Bienvenue dans la Maison des Parents, ça nous fait très plaisir de vous accueillir. Vous êtes docteur en neurosciences et conférencière spécialiste de la mémoire. Et à vos côtés, Sébastien Martinez, bonjour. Bonjour. Et bienvenue également dans la Maison des Parents. Vous êtes champion de France de la mémoire 2015 et aujourd'hui, formateur en mémorisation. Vous êtes devenu une référence pour les étudiants lors des concours ou examens. Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont La mémoire est un jeu aux éditions Premier Parallèle et cette BD que j'ai également entre les mains qui s'appelle Une mémoire de roi qu'on peut lire et faire lire à nos enfants à partir de 7-8 ans. Vous me disiez, c'est une fabuleuse plongée dans l'art de la mémoire à hauteur d'enfant. Est-ce qu'on peut commencer par répondre à Yasmine? Il y a un âge à partir duquel on peut dire là oui, non, avant 3 ans, on se souvient de rien? Alors oui, effectivement, en fait, la mémoire, pour pouvoir raconter ce dont on se souvient, bah, déjà, il faut savoir parler. Oui. Donc, pré-langage, hein, on sait qu'il y a vraiment des difficultés de mémorisation. Et avant 6 ans, quand les enfants se rappellent des souvenirs de manière consciente, ouais, en général, ce sont les souvenirs que les parents ont racontés. Donc, Yasmine a tout à fait raison. Hein, en fait, on réapprend les souvenirs au travers de ce que nous en racontent nos parents, en fait. Et la mémoire que l'on peut avoir avant le langage, en fait, hein, donc avant 3-4 ans, c'est surtout une mémoire émotionnelle. Mmh.
Est-ce qu'on peut justement revenir, avant de parler passer aux questions des internautes et des téléspectateurs, comment ça fonctionne dans le cerveau? Comment est-ce qu'on mémorise? Est-ce que c'est notre vécu? Est-ce que c'est, vous disiez, des odeurs? Voilà, comment ça marche? Alors, comment ça marche? Alors, déjà, il n'y a pas une seule mémoire, hein, y a plein de mémoires différentes, mais quel que soit le type de mémoire, ce qui est important de savoir, c'est chaque fois que vous mémorisez quelque chose, en réalité, vous modifiez votre cerveau. En fait, on crée une trace dans le cerveau. Donc, en fait, dans le cerveau, on a des neurones et ces neurones poussent comme les racines d'un arbre. Donc, un souvenir va être mémorisé à plusieurs endroits dans le cerveau et ça va se traduire par quelque chose qui pousse dans le cerveau. Et ça, c'est vrai qu'on est 6 ans, qu'on est 2 ans, mais qu'on est 80 ans aussi. Hein. Ça continue de pousser. Dès que vous apprenez, un acteur de 80 ans qui apprend un nouveau rôle, d'accord, il va modifier son cerveau. Donc, plus un enfant grandit, plus ça va être simple pour lui de mémoriser des choses. On parle d'enfants un peu plus grands de 6 ans, du coup. Mais... Oui, absolument. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la mémoire va se structurer, au fur et à mesure que l'on va acquérir des informations, on va être à même de faire beaucoup plus facilement des associations d'idées, de la structuration, de l'imagerie mentale. Et donc, notre mémoire devient beaucoup plus performante. Mmh. Alors, merci pour ce petit point scientifique. Alors, Sébastien Martinez, on a une première question pour vous de la part de Floriane. Aviez-vous une super mémoire avant de devenir champion du monde? Allez, on se dit, allez, vous êtes champion du monde, ça nous fait plaisir. Est-ce que certains enfants ont une bonne mémoire ou non? Est-ce que vous étiez déjà, voilà, un champion? Alors, en fait, comme tout le monde, j'ai envie de dire, j'avais des matières où j'avais plus de facilité. Mais c'est, moi, ce que j'aimais, c'était comprendre. Donc, pour comprendre, donc, j'arrivais facilement à apprendre des maths, de la physique, mais par contre tout ce qui était par cœur, français, anglais, histoire, ben là c'était juste, enfin fallait m'oublier. Hein. Alors que maintenant avec des méthodes, j'arrive très facilement. De base, c'est pas en lisant un texte d'histoire non. que vous non, ça c'était juste impossible tout. Pour moi de. Et en fonction de votre intérêt aussi, j'imagine. Ben oui, en fait, pour moi il y a trois clés qui sont indispensables pour mémoriser. C'est un, l'attention. Et du coup, forcément, l'intérêt va stimuler beaucoup l'attention. Mmh. Il y a la capacité à associer, faire des liens. Et après, la consolidation, donc l'entraînement et de revoir derrière. Donc, on est tous à la base capables d'être champion du monde de mémoire. On est tous capables. En fait, il y a deux secrets. C'est un, connaître des méthodes, et deux, s'entraîner. Mmh. Comme tout sport, c'est vraiment une question d'entraînement. Et surtout dans les compétitions. Là, c'est l'entraînement de 5, 6... Ouais, on a l'impression qu'on parle d'un muscle, en fait, là. Dans ce que vous dites tous les deux. C'est-à-dire, le cerveau, c'est un muscle. Ça se muscle comme les biceps. Alors en fait, l'entraînement fait partie d'un des paramètres qui va permettre la mémorisation. Alors, c'est pas le seul. Hein. Il y a d'autres. Alors moi, je dis qu'il y a 7 ingrédients en fait pour pouvoir mémoriser. C'est-à-dire que vous, avec un enfant de 10 ans avec le même cerveau, il y a des choses qu'il va bien mémoriser et des choses qu'il va moins bien mémoriser. Et ça va dépendre en gros de 7 paramètres. 7 paramètres que l'on va détailler tranquillement pendant cette émission, on a du temps. Pauline sur Facebook vous demande « Mon ado me parlait hier d'un souvenir d'enfance lors d'un week-end de famille en Italie. Moi, j'avais complètement oublié les détails. Pourquoi est-ce que certains événements de l'enfance marquent la mémoire à tout jamais ?» Tous les parents connaissent ça. Hein. C'est vrai que les enfants racontent en détail un truc que nous, on a complètement oublié. Oui, puis ils se souviennent du goût des chips qu'on a mangé il y a 6 mois. Ou de la tenue qu'ils portaient 2 ans avant, etc. Comment ça se fait que nous, on oublie? Alors, en fait, dans la mémorisation, il y a un paramètre sur lequel Sébastien il joue beaucoup, c'est l'émotion. Et l'émotion, les événements qui créent de l'émotion chez un enfant et celles qui créent de l'émotion chez un adulte sont complètement différents. Oui, bah moi, la chips au poulet rôti, si vous voulez, c'est pas... Voilà, mais peut-être que l'enfant, à ce moment-là, il a eu la plus incroyable expérience de sa vie. Donc, ça va rester marqué comme le jour où j'ai mangé de la chips au poulet. Et en fait, on voit, y compris quand on même sur des traumas, en fait, hein, ou quand il y a des scènes qui ont paru totalement anodines pour les parents et qui ont été traumatisantes pour l'enfant. Parce que l'enfant, il va faire des associations d'idées, il a un système émotionnel qui n'est pas mature, hein, il a un cortex préfrontal qui n'est pas mature, donc qui va prendre les choses de plein fouet, en positif, mais aussi en négatif. Alors Anissa vous demande par mail, mon fils étudie énormément, il a choisi une 4e langue et il adore ça, est-ce que sa mémoire peut saturer ? Oh, non, enfin, ça dépend de quel type de mémoire on parle. Si on parle de court terme et long terme, dans le cas du long terme, on en reviendra au court terme après, Isabelle a une bonne démonstration. Mais dans le long terme, il y a... En fait, c'est l'inverse. Plus on en sait, plus c'est facile d'en savoir. Oui. Les gens qui parlent 10 langues, la 11e langue à apprendre, c'est simple. Oui. Par contre, la seconde, c'est plus compliqué. Donc non, c'est au contraire. Plus on en sait, plus c'est facile d'en savoir. C'est pour ça que les étudiants en médecine disent que la première année est la plus dure, parce qu'il faut d'un coup se mettre à apprendre énormément de choses, alors qu'à la 7e année, bon...
Ils ont le cerveau qui est habitué. Alors oui, en fait, c'est chaque année de plus en plus dur en médecine. Ouais. Ça, c'est que j'en oui, raconte. C'est ça, mais souvent, ils se disent que c'est la première qui est la plus compliquée de se mettre dans le bain. Souvent, la première est plus compliquée parce que le gap, en fait, on va dire le différentiel entre la terminale et la première année est vraiment énorme. Mm. Par contre, les autres années augmentent au fur et à mesure, mais le gap n'est pas aussi important. Mm. Donc clairement, il y a une claque à ce moment-là. Ouais, je suis pas sûr qu'on puisse tous faire les études de médecine, hein, même s'il existe des méthodes pour travailler la mémoire. Ah ben, ce qui va différencier les gens, c'est la motivation à investir ce temps. Mm. Parce qu'après, on voit des méthodes. Moi, j'accompagne beaucoup des gens en médecine. Ils ont, avec les outils, ils y arrivent. Mais par contre, il faut être en capacité de passer une année, 10 à 12 heures de travail tous les jours. À faire que ça, ouais. À faire que ça. Mm. Et après, pareil, pendant 6 ans. Enfin, c'est pas... Et là, clairement, on est différent. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Tu m'étonnes, si je peux le dire comme ça. Isabelle, une question envoyée pour vous par Axel. Bonjour. Alors, ma fille me fait souvent la réflexion quand je lui fais un câlin que mon parfum lui rappelle son enfance. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie mémoire avec l'odorat ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut travailler avec ses enfants ? Alors c'est une question voilà, très, très importante, alors très particulière, parce que alors moi, il se trouve que j'ai fait ma thèse sur la mémoire olfactive, donc c'est un sujet que je connais bien. Et en fait, la particularité de la mémoire olfactive, c'est que structurellement dans le cerveau, d'un point de vue anatomique, la mémoire olfactive, elle est collée, enfin le cortex olfactif, pardon, est collé au système limbique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure intermédiaire, donc tous les autres sens... on va passer par le cortex préfrontal pour mémoriser, alors que dans l'odeur, c'est direct. Il n'y a pas de filtre. Donc, je marche dans la rue, je sens un parfum, et instantanément, bon, c'est la fameuse Madeleine de Proust, instantanément, ça rappelle un moment, une personne. Bouffée. Voilà, ouais. Et c'est sans filtre. Ouais. C'est sans filtre parce que dans le cerveau, les deux structures se jouxtent, en fait. Donc, ça revient instantanément. On n'a pas besoin de se dire, cette odeur me rappelle quelque chose. Non, c'est dans le cerveau, c'est côte à côte. Donc, ça passe. Ça passe. On peut l'exercer, cette mémoire ? On sait que dans le commerce, il existe des petits lotos des odeurs, comme ça. Oui, absolument. Alors moi, avec mes patients, je travaillais avec le nez du vin. Voilà, c'est des petits flacons là, où on sent. Et effectivement, il y a des lotos des odeurs pour les enfants. Et ce qui est difficile pour une odeur, c'est de lui donner un nom. Parce ouais. que c'est justement, il faut sortir de cette proximité et venir sur le langage. Et c'est quelque chose qui s'apprend très, très bien. Et on peut devenir parfumeur. Par exemple, moi, j'ai vu des J'ai interviewé des gens qui sont devenus parfumeurs à 40 ans en reconversion. C'est-à-dire que tout au long de la vie, on peut apprendre à sentir. Ouais. Et alors, comment exercer la mémoire des autres sens, des cinq sens ? En gros, il y a trois grandes stratégies pour mémoriser. Après, elles peuvent prendre différentes formes, mais c'est structurer. Alors la structuration, on peut le faire grand. Il y a combien de parties dans ce que j'ai à apprendre ? Il y a combien de sous-parties ? Hein ? Sébastien, c'est ce que tu fais toi dans les sessions. Ensuite, il y a les associations d'idées, c'est-à-dire que je réponds à la question à quoi cela me fait-il penser ? Et la troisième chose, c'est l'imagerie mentale. Est-ce que je suis capable de me faire une image, une représentation imagée ? Et plus vous allez solliciter les cinq sens avec l'association d'idées et l'imagerie mentale, et plus vous avez de probabilités de mémoriser. Anatole, par mail, dit « Il existerait trois types de mémoire, visuelle, auditive ou kinesthésique. » Il rit. Mémoire des gestes. Est-ce que l'on doit adapter notre manière d'apprendre à notre type de mémoire ? Alors ça, c'est un vaste sujet. Oui, c'est alors la question qui fait débat. Alors, il faut savoir que c'est un des neuromythes les plus puissants. Ah bon ? 95% des enseignants croient dur comme fer qu'il existe le système VAK. Vous avez des tas de tests qui sont vendus sur Internet. Les enfants l'ont fait. Voilà. En classe. Et de manière tout à fait honnête, moi, il y a 15 ans, je faisais faire le test à certaines personnes. Or, les dernières données neurobiologiques vraiment invalident ce fait. Il y a eu des revues scientifiques qui sont sorties récemment. C'est-à-dire, quand on met quelqu'un sous imagerie fonctionnelle et qu'on lui demande de mémoriser, on a pas pu mettre en évidence des gens qui étaient plus visuels, plus auditifs, plus kinesthésiques. Et quand quelqu'un est soi-disant auditif, quand on le fait mémoriser soi-disant en forme auditive, il n'a pas de meilleurs résultats. Enfin, certains sont plus aptes à s'engager, mais j'imagine, en écoutant par exemple un cours, d'autres en l'écrivant, mais c'est pas le cerveau qui varie, c'est juste eux qui seront plus ou moins intéressés. Ils se sont entraînés plus là-dessus. Plus à l'aise dans cette manière. Voilà, mais en fait, pour bien mémoriser, et ça on le voit pour les gens qui ont des mémoires hors normes, il faut vraiment engager les cinq sens. Ouais. Donc plus vous allez vous spécialiser, plus vous vous coupez les ailes, en fait.
Oui, c'est ça, en fait. Il faut continuer à faire tout travailler. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que si on fait un test, on va toujours... De toute façon, la réalité est tellement vaste qu'on peut toujours trouver, à un moment donné, des choses qui confirment ce qu'on a dit. Hein. Oui, vous parlez de mémoire hors norme. Je me souviens de Nicolas Sarkozy. Dans une émission de sport, il y a 2 ans, on lui disait « Le vainqueur du Tour de France en 62, paf, il trouvait le nom. Le deuxième du championnat olympique de judo aux Jeux olympiques de Barcelone en 92, paf, il donnait le nom. » Vous vous souvenez de ça? Oui, je me souviens, mais absolument. C'est... Alors, je veux dire, ça, c'est inné. Je parle de Nicolas Sarkozy, on pourrait parler de quelqu'un d'autre. Hein. Oui, pas oui, question oui. de faire de la politique. Mais c'est inné ou alors c'est à force de travailler, les politiques, on sait qu'ils apprennent des chiffres tout le temps, etc., qu'il a réussi à muscler ça? Alors déjà, il est entraîné à mémoriser, mais c'est surtout que ça doit certainement le passionner terriblement. Ça, c'est sa passion. Et il en parle tout le temps. Donc en fait, on montre en neurosciences que votre compétence, elle est directement liée au temps que vous passez à faire quelque chose. Hein. Un enfant qui est virtuose, un pianiste virtuose à 18 ans, il a passé en moyenne 18 000 heures à son piano. Donc, moi, je dis, heureusement qu'il est virtuose. Ouais. Parce que si vous faites le calcul, vous commencez à 2 ans, un quart d'heure par jour, et ça veut dire qu'à 14-15 ans, l'enfant, il va être, l'ado, il va être 7 heures par jour devant son piano. C'est ça qui est extraordinaire. Mmh. C'est ça, la passion. Mais après, qu'en passant 7 heures par jour devant le piano, la personne devient... J'ai envie de dire, bah ouais, tant mieux, oui. Tant mieux, quoi. Hein. C'est quand même rassurant. Et sinon, c'est qu'il s'est forcé, qu'il a fait ça contre son gré, etc. Voilà. Ce qui arrive d'ailleurs chez les virtuoses, enfin en tout cas chez les grands pianistes ou chez les grands musiciens. Absolument. C'est un autre débat. Sébastien Martinez, Marina sur Facebook dit « Mon fils de 14 ans aimerait entraîner sa mémoire. Avez-vous une hygiène de vie particulière à lui conseiller ?» 14 ans. Oui, alors j'ai envie de dire, c'est un peu comme tous les sportifs. Dire, tout ce qui est bon pour notre corps va être aussi bon pour notre cerveau. Enfin, moi, ce que je vois, c'est déjà boire de l'eau. Enfin, je commence par les choses un peu simples, hein, de boire de l'eau. Oui, c'est très bien. Y a notion de bien dormir. Moi, je vois, par exemple, quand je fais de la compétition, j'ai besoin de dormir 9 heures pour être efficace. Dans d'autres moments où je fais la fête, où je fais autre chose, 6 heures me suffisent. Mais vraiment, le sommeil, je vois, quand je dors 9 heures, j'ai besoin de dormir 9 heures pour les compétitions. Il y a l'aspect d'être en forme. Pardon sur le sommeil. Vos étudiants en médecine, vous leur dites, du coup, c'est la base? Ah oui, c'est, bien... c'est, en fait, parce que souvent, c'est une erreur qu'ils font, les étudiants en médecine. Je veux dire, s'il y a à choisir entre... travailler plus et avoir son quota de sommeil, c'est toujours le sommeil qui est prioritaire. Ça, c'est bon à savoir. Toujours. Parce qu'en fait, c'est du long terme. En médecine, on ne fait pas du... Enfin, même pas dans plein de domaines. Mais... Donc ça, c'est la base. J'ai envie de dire bien manger, bien dormir. À faire un peu de sport, d'activité physique. Et après, au-delà de tout, c'est l'entraînement. C'est s'entraîner à mémoriser, à apprendre des choses. Si ça l'intéresse, je veux dire, on a une association de sport de mémoire, asmémoire.fr, et si vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir, on s'amuse à mémoriser plein de choses pour de la compétition. Donc j'ai envie de dire, le meilleur moyen pour avoir une bonne mémoire, c'est découvrir des méthodes et s'entraîner derrière avec le jeu. Hein. Et s'entraîner. Alors Isabelle Simonetto, une question de Floria par mail pour vous. Ma fille de 7 ans a un sommeil fragile. On va vraiment reparler du sommeil. Est-ce que cela peut fragiliser la mémorisation des acquis de la journée? Alors absolument, dormir, absolument. Ouais. Comme vient de le dire Sébastien, le sommeil, c'est vraiment, il est au cœur des processus de mémorisation. Et toutes les pathologies du sommeil s'accompagnent de pathologies de la mémoire. D'accord. Hein, manque de... Donc c'est pour un enfant de 6 ans, il doit dormir entre 9h et 11h. Si vous voulez qu'il échoue, vous le faites dormir moins et c'est binaire, hein, en fait. Hein. Je dors, je mémorise, je ne dors pas, je ne mémorise pas. Donc, si vous avez passé une nuit blanche, même si vous essayez de vous concentrer, même si vous êtes intéressé, vous ne pourrez pas mémoriser. C'est là qu'on oublie son code de carte bleue. Exactement. Et puis, ou d'autres perturbations, il peut y avoir des interférences. Hein. Mais en fait, dans le sommeil, il y a une phase très, très importante de la mémoire qui se déroule. C'est-à-dire que ce qu'on a commencé à planter pendant la journée va continuer à pousser, va se consolider ou pas en fonction du tri que fait certaines cellules dans notre cerveau. Elles vont entretenir des réseaux, elles vont renforcer certains. Et donc, c'est une phase absolument essentielle. Elle se déroule à quel moment? Pendant le sommeil profond ou... Alors, elle se déroule essentiellement pendant le sommeil paradoxal, c'est-à-dire pendant le rêve. D'accord. Mais il y a aussi un peu de partie pendant le sommeil profond. Okay. Mais beaucoup pendant la période du rêve. Les étudiants rêvent plus. C'est vrai. Quand vous préparez des examens, on rêve beaucoup plus. Je ne sais pas si tu as fait l'expérience quand tu fais des concours. Non, tu le dis, oui, c'est vrai que... Voilà. Oui, c'est vrai. Ouais. Et l'autre ennemi, c'est l'alcool, j'imagine, de la mémoire. Ah, pas pour les enfants, ça va. Manque de sommeil. Non, mais pour les étudiants, on parlait. À 7-8 ans, il ne faut pas boire trop d'alcool. C'est par contre... Pour les poésies, on sait, on est mal. Non, je pensais à nos bons vieux étudiants qui ont 17-18 ans. L'autre ennemi en période d'examen, de révision, etc., c'est on ne boit pas, quoi. Alors, tout ce qui va, de toute façon, chimiquement, tout ce qui est actif,
sur votre comportement, les actifs au niveau du... Ça veut dire que ça va modifier les processus chimiques du cerveau. Donc le café, c'est pareil. Donc c'est tout ce qui va modifier votre... Donc le café, alors le café, voilà, si vous en abusez, ben, vous avez après des troubles de l'attention, de la concentration, mais ça va être la nicotine, voilà, ça va être toutes les drogues diverses et variées, ça va être les somnifères, les amphétamines, les... Voilà. Et donc l'alcool pour les ados, bien sûr. Merci bien Marie. Sûr. Enfin, pour les grands ados. Mais... Oh, laissez-moi tranquille, vous avez compris ce que je voulais dire. Quoi. Oui, complètement ça. Il y a Pierre, Sébastien qui a une question pour vous, il faut que je sorte de ce bourbier. Oui. Ma fille est en classe de seconde, elle est souvent distraite pendant qu'elle fait ses devoirs, elle n'arrive pas à se concentrer, son téléphone n'est jamais loin et à la fin, sa leçon n'est pas mémorisée. Que faire? Alors, là, a priori, il y a une grosse notion d'attention. Il y a plein de règles, on parle du sommeil, évidemment c'est important, supprimer toutes les sources de distraction. Ouais, le téléphone est quand même une majeure. Oui, le téléphone clairement, c'est une drogue, hein. Enfin, on est toujours attiré vers ça, donc idéalement c'est de le mettre loin des yeux, loin du cœur, hein, le plus loin possible pour pas qu'on soit distrait. Et après il y a une autre méthode qui est assez efficace, c'est faire du fractionné. Comme en sport on fait du fractionné, ben là c'est du fractionné attentionnel, c'est qu'elle essaye de travailler 20-25 minutes à manière intensive, et après elle fait une mini-pause. Et elle peut enchaîner comme ça des phases. Il y a plein de méthodologies autour de ça. Il y a une qui s'appelle la méthode du Pomodoro, mais c'est ça en fait. Intense, court, et petite pause enchaînée. C'est intéressant ça, parce que forcément, fatalement, on y est tous confrontés à ça. Même nous tous, quand on travaille, quand on télétravaille, et puis les enfants, etc. Et c'est assez récent, donc on conseille ça, de fractionner. Oui. Moi, j'ai l'impression que quand moi, j'étais au collège, au lycée, il fallait bosser 3 heures, il n'y avait pas de pause. Enfin, je veux dire, c'était... Mais maintenant, on sait qu'en fait, on a besoin en fait, de rêver. Notre cerveau va passer en deux modes. En mode focalisé et en mode un peu diffus, hein, un peu rêverie. Et on a besoin d'alterner entre les deux. On ne peut pas rester des heures attentifs, en fait. Alors, Isabelle Simonetto, une question de Simon par mail. Mon fils de 8 ans est très perturbé en ce moment car il a perdu son chien. J'ai l'impression que cela joue sur sa capacité d'apprendre et évidemment de mémoriser. Est-ce que c'est possible qu'une émotion comme ça entrave la mémorisation? Ah oui, alors absolument. Alors, plutôt que de vous expliquer longtemps, je vais vous montrer j'ai amené un petit gadget. Ce tube-là représente la mémoire à court terme. C'est-à-dire que toutes les informations qui arrivent de l'extérieur, quand on vous parle, là, en ce moment, là, ce que je vous dis, ça arrive dans votre mémoire à court terme. Donc, un enfant, quand il écoute en classe, ça arrive dans la mémoire à court terme. Et les informations qui arrivent sont représentées par ces balles de ping-pong. Donc, dans la mémoire à court terme, on peut rentrer 3, 4, 5 balles de ping-pong. Ça, c'est les enfants ont à peu près cette taille-là, hein, 4-5. La moyenne chez l'adulte ou même chez l'ado de 14-15 ans, c'est 7. Mais dès que je rentre la 8e information, vous voyez, il se passe ça. Ouais. C'est-à-dire que l'information au centre, hop, est chassée. Ça déborde. Ça déborde. Et donc, on est obligé de transférer, quand ça nous intéresse, les informations dans une autre partie du cerveau. Il faut que ce soit traité par la mémoire à long terme. Donc, pour écouter, pour être disponible, pour comprendre la leçon, il faut que cette mémoire à court terme soit disponible. C'est-à-dire que pour écouter quelqu'un, il faut que je sois dans cette configuration. Si j'ai un souci à la maison, si je pense à mon chien, si je me dis « je suis nulle, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur pour moi », ça revient en fait à remplir cette mémoire à court terme de pensées internes. Donc le stress va faire ça. Hein. Par exemple, vous avez très très bien révisé votre leçon et pourtant, vous arrivez devant l'examen et il n'y a rien qui se passe. Parce qu'en fait, la mémoire à court terme, qu'on appelle aussi la mémoire de travail, est saturée par tout ce que vous pensez, vos pensées parasites. Et donc, vous êtes bloqué. Et donc, le petit garçon, il ne peut pas apprendre. Donc, en fait, il y a plein de techniques qui nous permettent de faire quoi ? De faire ça. Ce n'est pas travailler plus, c'est apprendre à vider la mémoire à court terme. Et puis, alors là, on en a tous besoin. Avec la période qu'on vit depuis un an, les ados, on le sait, qui sont surstressés, angoissés, etc. Ils ont déjà 2-3 balles de ping-pong chacun à cause de ça. C'est ça. Et donc, normalement, c'est 7. Mais si vous êtes angoissé, ben, vous vivez avec une capacité réelle à 4, quoi. Donc ça veut dire que tout va être ralenti. La compréhension, la mémorisation, la réactivité, la conceptualisation. Enfin, bien sûr, tout. Bon, il faut être compréhensif avec nos enfants qui ont du mal à apprendre depuis un an. Oui. Voilà, c'est le mot qu'on voulait vous faire passer. Alors cela dit, si votre adolescent, comment dire, rechigne à faire un petit peu travailler sa mémoire, on a un bon conseil, c'est Mister Too, notre YouTuber préféré, qui va leur donner ses conseils. Regardez. Pour l'émission, m'a demandé de vous aider à stimuler la mémoire de vos enfants. Problème, je ne me rappelle même pas de ce que j'ai mangé hier soir. Donc autant vous dire que pour ma part, niveau mémoire, on est plus sur du...
Poisson rouge, excellent. La mémoire d'adolescence est une mémoire sélective. On se rappelle uniquement des choses qui nous intéressent. C'est-à-dire plus des dates de vacances que celles des contrôles d'histoire géo. À la limite, si, on se rappelle de... Ouais, ben on se rappelle au téléphone de 64 à 512 gigas. C'est eux qui renferment toutes nos connaissances, nos données, nos idées, bien gardées. Pourquoi lire ? Pourquoi écrire ? Pourquoi penser ? Quand ils peuvent le faire à notre place ? Bah, c'est vrai, tu veux faire quoi, toi, avec tous tes livres ? Ouvrir une librairie ou quoi ? J'ai plus de batterie ! Voilà pourquoi il faut garder sa mémoire en éveil ! Sinon, vous n'allez même plus pouvoir retenir les chorés TikTok, les kids. Qui, d'ailleurs, peuvent être un très bon moyen de l'exercer, cette mémoire. La danse, l'expression corporelle, permet d'entretenir celle du cerveau. Ça peut aussi servir de gym des neurones. Ne pas toujours voir la nouvelle technologie d'un mauvais œil, mes chers parents. Mais c'est vrai qu'il faut savoir décrocher de ces écrans de fumée. Sinon, le jour où ta batterie sera vide, eh bien, ta tête aussi. Eh ouais. Alors, lisez, écrivez. Moi, par exemple, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est écrit juste là. Eh ouais, sinon je m'en rappellerai même pas. Et c'est pour ça que je continue de la travailler tous les jours, moi, ma mémoire. Et si la vôtre n'est pas bonne, ce que je vous conseille, c'est pas de tout noter sur votre téléphone. Si vous avez de la place, achetez un éléphant. Ça permettra de bosser et ça fera rire les enfants. En 8 lettres, galopin. Ça aussi, ça peut être une bonne idée. Mais oui, faire les mots croisés, les mots fléchés, les jeux de société, les dominos avec mémé. En plus, ça permettra de partager un moment avec ses anciens, qui eux sont comme des livres d'histoire, mais en vrai. Donc ils peuvent nous apprendre des tas de trucs. Donc là, papy, mamie, vous préparez tout, hein. Les infos, les souvenirs, les secrets de famille, les vieilles anecdotes, les codes carte bleue, je plaisante. Vous nous les transmettez juste avant de les oublier. Et puis comme ça, ensemble, autour d'un bon repas de famille, on pourra s'en rappeler. Mais oui, on s'en rappellera. J'ai pas trop aimé son allusion aux vieux, qui sont comme des manuels d'histoire. Je sais pas, un peu pris personnellement. Alors justement, on va parler des vieux avec une question de Mohamed par mail. Est-ce vrai qu'à partir de 25 ans, nous commençons à perdre des neurones et que notre mémoire s'affaiblit ? 25 alors... ans, ça me semble jeune. Oui, alors ça, c'est moi ce que j'ai appris à la faculté au XXe siècle. Hein. D'accord. Sauf que depuis la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, ouais. Et d'ailleurs c'est un chercheur qui s'appelle Pierre-Marie Liédo, qui est directeur du laboratoire Pierre-Marie Curie à Paris, à Mémoire et Perception, qui a mis en évidence aussi avec d'autres chercheurs, que dans le cerveau, on avait une nurserie, en quelque sorte, de néoneurones. C'est-à-dire que dès que vous apprenez, vous allez fabriquer des bébés neurones, en fait, hein, qui vont évoluer, qui vont se transformer, des cellules qui vont se transformer en neurones et qui vont migrer dans le cerveau. Donc, en fait, c'est un neuromythe, hein, c'est un deuxième neuromythe. On crée des néoneurones tout au long de la vie. Ce que vous disiez tout à l'heure sur l'acteur de 80 ans qui va apprendre un texte, il y aura aussi des bébés neurones. Voilà, alors après, c'est vrai qu'on va avoir des neurones qui vont disparaître, mais ce qui est très important... ce qui est vrai d'abord collectivement, statistiquement, n'est pas forcément vrai individuellement, et qu'on a des gens qui sont très actifs mentalement et qui vont garder un cerveau. Ce qui est vraiment important, c'est de consolider les connexions, de les entretenir, même si on perd des neurones. De toute façon, on en crée, mais on en perd quand même. Mais c'est vraiment les connexions, quoi. Donc le fait de faire des sudoku, des mots croisés, de continuer. Ah non, alors c'est pas vraiment ça. Ça sent le neuromythe. Oh, ça sent le mythe. Le neuromythe encore. Voilà. En fait, ce qui va vraiment stimuler votre cerveau, c'est la nouveauté. D'accord. Alors si vous faites que des sudoku, vous allez devenir super bon en sudoku, mais bon, sorti de là, ça sert vachement dans la vie, hein, d'être fort en sudoku. Oui, c'est hyper dur. Voilà. Donc c'est vraiment faire des choses nouvelles. Ouais. Vraiment, c'est la nouveauté. Donc il faut être curieux, il faut être optimiste, il faut aller tourner vers les autres. Voilà. C'est ça qui va favoriser la neurogénèse. Ce qui est mieux que les sudoku. Voilà. Bon, on va passer aux techniques de mémorisation, oui. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de parents qui nous regardent. Oui. Mais moi, je veux donner des billes à mes enfants. Tiens, une question pour vous, envoyée en vidéo par Anne-Sophie. La Maison des Parents, bonjour. Anne-Sophie, maman d'Esteban, Benjamin et Maxence. Notre question concerne la mémoire d'Esteban. Y a des matières où je réussis car ça m'intéresse et d'autres où ça colle pas, ça passe pas, j'aime pas trop et voilà. En fait, sa mémoire sur du court terme est excellente dans toutes les matières, notamment ce qu'il passionne, maths, physique, chimie, SVT. Par contre, dès qu'on part sur orthographe, grammaire, vocabulaire d'anglais, sa mémoire a tendance à se transformer en gruyère
au bout de quelques semaines. Si vous avez des solutions pour nous, on est preneurs. Passez une excellente journée. Merci, au revoir. Mais Esteban, il est comme vous, ben, Sébastien. Ça y ressemble. C'est la même chose. Il va finir champion de France de mémoire. Il va finir champion de France, donc viens. L'attention, la motivation, clairement, comme on dit, pour moi, il y a vraiment ces trois clés. Être attentif, associé et consolidé. L'attention, quand on a envie, ben forcément, on va avoir de l'attention. Forcément aussi, on va passer beaucoup plus de temps, donc on va consolider. Et souvent, on va faire des associations de manière inconsciente ou involontaire. Ce que j'observais chez moi et chez mes élèves, c'est que quand ils n'en ont pas envie, ben, ils ne font pas l'étape intermédiaire, à savoir la capacité à associer, à créer des liens. On peut prendre des exemples souvent dans les langues. Par exemple, si on mémorise une langue, apprendre du vocabulaire, alors, les verbes irréguliers, prenons une langue que personne ne connaît, souvent en japonais, kanpai, ça veut dire santé. Chin-chin, quoi. Ça, on va le retenir. Ça, on va le retenir. Évidemment, on va kanpai. Le consolider, vous voyez. Alors, on va le consolider, peut-être tous les soirs, ou je ne sais pas. Et avec de l'eau, c'est encore mieux. Et pour pouvoir s'en souvenir, alors on peut soit y aller de manière rationnelle, mais là en japonais on n'a pas l'étymologie, on n'a pas accès à tout ça. Donc on va être obligé d'une certaine manière à utiliser des associations loufoques. Et kanpai phonétiquement, ben tiens, ça vous fait penser à quoi? Kanpari. Kanpari. Kanpari, oui, c'est un alcool, ouais. Oui, c'est un alcool. Ah, par exemple, ou le camping, moi j'avais. Moi j'avais un camp avec de la paille autour. Ah ouais, kanpai. Bah. Et on se voit assis. Et on se voit assis avec plein de personnes qui voilà. Trinquent, tout ça. Et oui, et le fait de créer une association comme ça mentale, plus on va la sensualiser, et plus ça va avoir, on va dire, une trace mnésique importante. Mais évidemment, derrière, on a besoin de s'entraîner. Et donc, pour donner un exemple, Esteban, là, s'il s'amuse tous les jours à faire, je sais pas, une dizaine de nouveaux mots en anglais, très vite, il va apprendre du vocabulaire. C'est marrant, en fait. Bon exemple aussi, c'est de regarder des séries, des dessins animés, des films en anglais. Mais ça, du coup, c'est la consolidation. Ouais. Il va s'entraîner. Oui. Tous les mots qu'il aura appris, il va les réentendre. Du coup, il va dire, ah oui, ça, c'est ça, la traduction. Et là, ça consolide et là, il sait après. Et tous les nouveaux mots qu'il ne connaît pas, peut-être qu'il va les noter. Et là, il va faire des nouvelles associations. Et après... Bon, en un mois, j'ai certains élèves, ils mémorisent jusqu'à plus de 700 mots, en fait. Et 700 mots, bon, c'est déjà un bon début pour pouvoir commencer à parler. Ouais, on peut déjà... surtout, on sait dire « kanpai ». Kanpai, ouais. On ne verra plus jamais. Là, on penserai à vous à chaque fois qu'on va faire Chine en japonais. Alors, Kali vous demande par mail, « Le professeur d'histoire de mon fils leur demande de fermer les yeux et d'imaginer des scènes, de les visualiser. Ça marche drôlement bien. Comment reproduire cette méthode avec une carte de géographie, par exemple, qui est quand même beaucoup moins fun à visualiser ?» Oui, alors... Dans le cas de l'histoire, là, pour le coup, on a directement accès aux liens rationnels. Si on raconte l'histoire, on peut imaginer des personnes, peut-être qu'il y a une scène, enfin un cocktail, n'importe quoi. Par contre, dans le cadre de géographie, c'est un peu plus conceptuel. Donc là, souvent, au début, parce que, encore une fois, j'invite les personnes à aller sur ce côté imaginaire, un peu loufoque. Et si on prend la carte, je sais pas, de l'Afrique, vous regardez la carte et vous jouez au même jeu que du jeu des nuages. J'imagine que vous avez tous déjà joué à ça. Vous allongez dans l'herbe et vous regardez les nuages. Et qu'est-ce que vous voyez dans les nuages? Un lapin. On voit un des lapin, formes, des animaux. Des formes, ça, des soucoupes volantes, des trucs de dingue. Ben, c'est exactement pareil avec les formes. Vous regardez les formes des pays et vous dites, tiens, à quoi ça me fait penser? Si vous prenez le Tchad, par exemple, le Tchad, on dirait un bonhomme de côté avec une casquette. Le Cameroun, on dirait un coq. Et donc, une fois que vous avez accès à la forme, vous l'avez associée, mais vous faites pareil avec le nom. Le nom, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui vient de ce pays, peut-être que vous connaissez une spécialité, donc des liens rationnels. Et si vous n'avez pas accès aux liens rationnels, ben, vous jouez de manière loufoque. Tchad, un chat, par exemple. Ouais. Vous faites une histoire entre les deux, chacun un chapeau. Et... C'est fort, ça me donne envie d'essayer. Je vais essayer. C'est hyper marrant en plus. Vous pouvez le faire avec des enfants. Avec les enfants à 8 ans, c'est génial parce qu'eux, ils ont pas de limite en termes d'association loufoque. Oui, j'imagine. Et souvent, avec l'âge, nous, on se bride, en fait. On se met des limites, ouais. On devient hyper fort sur la partie rationnelle, ouais. mais on se coupe une main, en fait. On se coupe un bras, donc c'est pour prendre là, les deux. Là, si on vous amène une carte de l'Afrique, vous ne pouvez mettre tous les pays sans aucune erreur? Alors, je ne les ai pas appris, enfin, je ne les ai pas révisés il y a longtemps. Mais en tout cas, si vous me les donnez, là, en une demi-heure, largement... Ouais. Allez, on amène la carte. Je plaisante. Une nouvelle question pour vous, Isabelle, envoyée en vidéo par Laura. Bonjour, alors moi mon fils Samuel, il est en train d'apprendre les tables de multiplication, mais quand je dis apprendre c'est un bien grand mot parce qu'il ne retient rien, on a beau répéter, le lendemain il ne reste rien du tout. Donc voilà, je voudrais bien un petit conseil pour m'aider, merci beaucoup. C'est sûr que là l'association elle est dure à trouver quoi, d'apprendre les tables de multiplication. Alors en fait justement elle a prononcé le terme, elle a constaté effectivement que la répétition c'est pas une stratégie très efficace. Et donc en fait je rebondis sur ce que disait Sébastien, à un moment donné, la seule limite à notre mémoire, en fait, c'est notre imagination.
Et répéter quelque chose, c'est la stratégie la plus, voilà, la moins efficace. Donc en fait, il va falloir trouver une astuce. Alors ça va être différent pour chaque enfant. Pour qu'est-ce que, voilà, je vais m'amuser à mémoriser. Et quel intérêt j'ai, moi, à mémoriser ? Est-ce que pour réussir mes exercices de maths, pour faire plaisir à mes parents, pour faire plaisir à l'institut, pour battre mon petit, le petit copain qui est assis à côté de moi, pour, voilà, les motivations, elles sont diverses et variées. Et essayer d'introduire la notion de jeu. Et puis, il y a de la logique aussi dans une table de multiplication. Hein, on va le diviser en deux, on sait qu'on n'est pas besoin de tout apprendre parce qu'il y a de la logique. Donc, en fait, structurer, comment sont structurés ? Association d'idées, à quoi cela me fait-il penser ? C'est ce que tu disais, hein. Je vois le Tchad, je vois à quoi cela me fait-il penser, et l'imagerie mentale. Et des méthodes comme les multimalins, dont on a beaucoup entendu parler, qui mettent en scène des petits personnages représentant des chiffres, ça peut fonctionner. Absolument, sur la capacité à créer de l'imagerie mentale, des associations d'idées, de la structuration. Donc ça va être les bouliers, ça va être tous ces jeux-là. Il faut, mais la répétition, oui, arrêtez, quoi. C'est vous pouvez répéter 1000 fois quelque chose à quelqu'un, si ça ne l'intéresse pas, ça rentre dans le cerveau, ça rentre, voilà, 3 x 3, oui, ça fait 9, et hop, ça ressort. Hein. C'est ça. Si ce n'est pas transféré en mémoire à long terme, ça ne sert à rien. Mais par contre, du coup, la répétition va servir une fois qu'on aura associé, que ce soit avec des choses loufoques, comme multimalin, ou avec la forme des informations, ou de manière rationnelle, la répétition va créer de la vitesse, et de l'entraînement, et de... Oui, tu as raison de préciser, effectivement. En entraînement, mais ça peut être utile. En ce qu'on appelle l'encodage, voilà. En encodage, au démarrage, ça, c'est pas efficace. Enfin, ça marche au bout d'un moment, hein, mais c'est beaucoup d'énergie pour pas beaucoup de résultats. Donc tout le défi des profs, c'est d'intéresser, enfin c'est, je dis une banalité, mais tout le défi des profs, c'est vraiment de les intéresser sur la leçon, et après tout le boulot est fait quasiment. Ouais. Une grosse partie. Et après, plein d'enseignants font des analogies aussi, font des histoires. Il y a plein d'élèves qui disent avec cet enseignant, c'est génial, j'ai l'impression que le cours, il est facile. Et souvent, qu'est-ce qu'ils font, ces enseignants? Ils racontent plein d'histoires. Ils racontent, et du coup, ces histoires sont des analogies, des techniques de mémorisation qui transmettent en fait, aux élèves, de manière consciente ou inconsciente, hein, mais ça marche très bien. Et comme ça, ils se souviennent. Ça rentre tout seul. Alors, Lucas est en terminale S et il a besoin de conseils pour structurer sa manière de travailler la SVT. Est-ce que vous pouvez l'aider ? Oui. Alors, comment faire ? Parce que c'est pas facile, les sciences et vie de la Terre. Oui. Alors, ce qu'il voit, c'est qu'il y a... J'aime bien dire qu'il y a deux grands types de matières qui sont assez différentes. Il y a les matières à connaissances, où en fait, on va vous interroger sur votre capacité à ressortir les connaissances que vous avez apprises, et d'autres qui sont plus à compétences, où en maths, il faut faire des raisonnements, faire des exercices. Donc, en SVT ou histoire, c'est plus à connaissances, en général. Déjà, première étape, c'est de comprendre. Donc, souvent, faire des schémas. Il y a deux types de manières de prendre des notes, soit de manière linéaire, soit de manière visuelle. Le linéaire, c'est les détails. Le visuel, c'est la vision globale. Donc déjà, avoir cette vision globale. Et en SVT, souvent, il y a des schémas bilans à la fin. Enfin, souvent, c'est pré-mâché. Donc, qu'il ait accès à cette compréhension, qu'il essaye de comprendre ça. Et une fois qu'il a compris, ce qu'il peut tester, c'est... il prend 5-15 minutes pour essayer de comprendre. Il retourne la feuille et essaie de la refaire de tête. Okay. Et là, ce qui est intéressant, c'est la technique de la feuille blanche, c'est qu'en la refaisant, après, il va se corriger. Et il va voir, OK, qu'est-ce qui est déjà rentré dans ma tête, et qu'est-ce qui n'est pas rentré ou qu'est-ce qui est faux. Et là, il va pouvoir, du coup, se poser des questions. Okay, comment je vais pouvoir faire pour m'en souvenir la prochaine fois ? Est-ce que parce que je n'ai pas bien compris, donc je vais créer un lien rationnel ? Ou est-ce que non, j'ai besoin d'une association loufoque, parce que là, c'est un mot un peu bizarre, et je vais faire une histoire un peu déjantée. Et après, il active comme ça, de manière espacée, des révisions espacées. Le lendemain, il peut faire ça, 2-3 jours après. Et en fait, il va voir que se tester et récupérer, se tester et se corriger, c'est ce qui a vraiment une des stratégies qui est la plus efficace. Et Paolo, qui lui est en troisième, revient sur cette notion de 5 sens. Apparemment, il serait, donc vous l'avez dit, important pour bien retenir. Comment est-ce qu'on procède pour faire intervenir nos sens, justement, dans l'apprentissage et dans la mémorisation ? C'est dans la phase, surtout, l'association. Ouais. C'est quand tu as une information qui t'arrive, comprenez l'histoire du Tchad. Donc la forme, elle ressemble à un monsieur de côté avec un chapeau. J'imagine peut-être quelqu'un qui a une sorte de chapeau, une sorte de béret, l'odeur peut-être du béret, la sensation tactile quand tu le prends dans la main. Et pareil pour le chat, tu peux sensorialiser. Et après, tu imagines dans ta tête, comme un metteur en scène, mais ce qui est en plus du son et du visuel, tu essaies de rajouter les autres sens. Mais l'idéal, c'est d'avoir les 5. Mais déjà, si on en a 2, c'est génial. Si on en a 3, c'est génial. Plus on en a, mieux on mémorise. Oui, c'est exponentiel, en fait. Hein. C'est pas additionnel. Hein. C'est ça. Mais en fait, c'est vraiment répondre à ce que tu disais, répondre à cette question.
à quoi cela me fait-il penser ? Oui. Et les enfants, ils ont quand même une imagination débordante. Enfin, moi, je les teste avec mes enfants. Ils font le lien. Ah, mais c'est d'abord comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils apprennent au départ. Ah, ouais. Et tu peux rajouter, voilà, quelle personne, quel objet, quelle situation pour l'aider à être de plus en plus concret ? Isabelle, une question de Karine. Ma fille n'a pas confiance en elle. Elle me rabâche tous les jours qu'elle est nulle en langue et finalement, elle finit par l'être. La confiance en soi peut-elle jouer sur la mémoire ? On a tous entendu, moi, de toute façon, je suis nulle en maths, je ne suis pas fait pour la science, je ne suis pas fait pour l'anglais, machin truc. Comment on la rassure ? C'est ça. Alors, vraiment, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus et on... Alors, Sébastien, il commence à participer à ça, mais le cerveau, c'est ce qu'on utilise le plus à l'école et c'est l'organe qu'on connaît le moins. Ouais. C'est-à-dire que les enfants ne savent pas comment fonctionne leur cerveau. Et on s'est aperçu dans les lycées... Alors, c'est Éric Gaspard qui a développé ça il y a pas mal d'années, qui était un prof de maths, et qui a fait... Et donc, il montrait que même des maths, on pouvait le faire avec de l'imagination. Et ils ont fait des expériences. Et quand on explique à des enfants comment fonctionne la mémoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des mauvaises mémoires, il y a juste des mauvaises façons de se servir de sa mémoire. Donc, les faire couper la tête à tous les neuromythes qu'on prouve à des... Par exemple, Sébastien, quand il fait des stages, ou moi, quand je fais des stages, on va faire mémoriser des choses à des gens. On leur dit, il vous faudrait combien de temps pour mémoriser ça ? Ils vous disent une semaine et on leur dit, on va le faire en 9 minutes. Donc, on prouve que c'est... Et donc, là, on coupe la tête au neuromythe et la personne, elle retrouve la confiance. Et au lieu de se dire... Je suis nul, je vais pas y arriver, je suis nul en maths, et de remplir sa mémoire à court terme, et donc de devenir réellement nul, puisqu'il n'y a rien qui rentre, et bien là, on change complètement de croyance, en fait. Mmh. Et là, c'est les croyances, souvent, qui impactent notre... Il faut que cette maman prenne 5 minutes ou un peu plus pour prendre un peu de hauteur et lui dire « Attends, t'es tout sauf nul en langue, mais je vais t'aider à y arriver. » Et lui expliquer comment ça se passe. Ouais. Et lui démontrer, voilà. Important. Mais qu'elle montre des méthodes d'association, fasse des exemples. Et en fait, c'est juste, en fait, le processus, je vous disais, il faut connaître les méthodes et s'entraîner, mais en fait, en amont, il y a une première étape, c'est d'avoir le déclic. Oui. C'est dire, ah ouais, en fait, je suis capable de faire ça. Et ça, c'est souvent, ça commence toujours par ça, hein, quand on fait des associations, qu'on fait des conférences, et la focalisation avec les parents, c'est de leur montrer qu'ils sont capables, eux, d'apprendre, leurs enfants aussi, et quand ils sortent d'une heure de conf, ils disent, bah ouais, en fait... J'en suis capable et ça les booste. Champ des possibles. À mettre en pratique. La preuve qu'on en est tous capables, c'est qu'on a appris un mot en japonais. Comment on dit Chine en japonais ? Purée. Kanpai. Mais oui, le camp avec la paille. On est ici, on est rempli de chenilles en japonais. Trouvé. C'est magnifique. Bravo. Merci à tous les deux, vous êtes trop forts. Et à Isabelle Simonetto et Sébastien Martinez, merci beaucoup d'être venus. C'était un vrai plaisir, on a appris plein de choses. Je renvoie à cette BD parce que je pense que c'est bien pour offrir à ses enfants. Une mémoire de roi aux éditions... Premier parallèle, c'est facile, 2P, c'est facile de retenir. PP, premier parallèle. On va rejoindre maintenant Yasmine Ouglis qui a déniché des trouvailles pour stimuler encore un peu plus la mémoire de nos enfants. Fallait y penser. C'était hyper bien. Ouais. Ah, vous validez ? Alors, comment on dit ? Non, alors par contre, j'étais sûre que vous alliez me demander, mais j'entends pas hyper bien. Donc j'ai entendu... Kanpai. Non, mais c'est vrai que d'ici, on n'entend pas très bien. Donc j'étais sûre que vous alliez me demander. Kanpai, il faut penser, vous êtes assis sur un petit camp, sur du foin. Un camp de paille. Et voilà, avec de la paille, pas du foin. Mais sinon, c'est camp de foin. Voilà. Bon, prends le boulet. Mais n'empêche qu'il y a un truc que j'ai retenu, qui est quand même la base. Et camp de foin. Je sais hyper bien parler japonais. Et donc, Yasmine, vous avez retenu quoi ? Allez, petit chaton. Vous l'avez vexé. Alors, j'ai retenu un truc qui est hyper important, c'est la confiance. Ah oui. C'est ça. C'est la clé de tout. De toute façon, on le dit souvent dans cette émission. Maintenant, je ne vais pas vous proposer des méthodes pour que vos enfants aient plus confiance en eux, mais pour stimuler, des outils pour stimuler quand même leur mémoire. Alors, on va essayer de trouver des trucs un peu ludiques, parce que sinon, ils ne vont pas le faire. Bien sûr. On le sait très bien. Donc, on va commencer par les primaires. Donc ça, c'est des cartes. Donc 52 cartes pour avoir une super mémoire. Donc là, ça reprend un petit peu ce que disait Isabelle, je crois. Ouais. Et donc, vous allez avoir 52 cartes comme ça. Au début, on va... Comment fonctionne la mémoire, donc les différentes mémoires, ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Les neuromythes. Et derrière, vous allez avoir des astuces et des exercices. Donc, vous voyez, c'est coloré, c'est jovial. Du coup, c'est bon pour les primaires, vraiment. Parfait. Il y a des petits exercices. Ensuite, on va avoir ceci. Donc, si vous ne voulez pas l'utiliser pour muscler votre mémoire, vous pouvez l'utiliser pour muscler votre triceps. Ça fait à peu près un kilo, ce livre. Mais bon, c'est un manuel.
Ça ne nous a pas fait rire du tout. Si, 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 j'ai essayé. J'étais en train de me dire un kilo, c'est pas si. Non, moi je pense que c'est plus qu'un kilo, ça. Ouais. Je ne sais pas, je peux le mettre aussi sur ma tête. Donc voilà, il y a 7 minutes de sport par jour Pour le cerveau, plus pour les ados, parce que là, bah, on a beaucoup moins de dessins. Hein, on va être sur quelque chose de plus. Voilà. Hein, voilà. Mais c'est hyper efficace et c'est validé par des scientifiques. Voilà. Merci, Yasmine. Ensuite, alors j'ai une appli que j'aime beaucoup, je préfère vous le dire. Elle s'appelle Lumosity. Là aussi, pour les ados, c'est ici 15 minutes par jour. Ouais. Donc, encore une fois, il faut le faire. Hein. Bon, bah voilà, ah, on va le faire. C'est une autre histoire, mais je vous donne quand même l'info. Je l'ai fait pour vous. Donc, je vous montre les différents exercices qu'on peut avoir à faire dans cette appli. Donc, le premier, c'est celui-là, c'est le sens du mot. Alors, en fait, on doit... Oui, je vais vite. On doit, en fait, là, il y a marqué jaune et jaune. La question, c'est est-ce que... Ben voilà, j'ai oublié. Est-ce que je fais en jaune ou en noir? Non, pas du tout. C'est jaune. C'est qu'en fait, je vais vous le dire, parce qu'en fait, là, c'est écrit trop petit. Mais en gros, est-ce que le sens du mot du haut correspond à la couleur du mot qui est écrit en dessous? Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Donc là, oui. Oui, là, on est d'accord bon. Que oui, mais là, d'abord, il faut un minimum de temps pour le comprendre et ça va vite. Donc, tout ça, c'est en répétition. Et puis, évidemment, après, les couleurs s'interchangent, là, ça correspond. Mais quand ça ne correspond pas et que nous, on est dans une logique, on a du mal à... Voilà. Donc, c'est qu'il faut rester concentré et s'adapter. Deuxième exercice avec les trains. Les trains. Donc, les trains. Vous voyez, en fait, il y a des petites jonctions que l'on doit changer pour permettre au train d'arriver à la bonne gare, la gare rose. Donc là, on se dit, OK, c'est bon, j'ai fait la rose. Un noir arrive, je fais le noir. Et derrière, il y en a d'autres. Et en fait, si on n'est pas assez rapide, on perd. Voilà. Parce qu'on se dit, OK, c'est bon, le rose. Ah, puis un jaune qui arrive derrière. Donc ça, pareil. Concentration, rapidité d'exécution. Excellent. Maintenant, la mémoire visuelle. Là, c'est plus compliqué. C'est les tuiles. Regardez. Donc là, en fait, on va avoir des tuiles qui s'affichent, elles disparaissent et on doit les replacer au bon endroit. On commence avec 5 tuiles, 6 tuiles, 7 tuiles, 8 tuiles. Ouais, et quand on arrive à 10 tuiles... C'est hyper compliqué, en fait, parce qu'en plus, le temps est très rapide. Vous voyez, avant qu'elles disparaissent, elles réapparaissent. Donc ça, pour le coup, ça, j'ai plutôt bien réussi, moi. Donc ça, c'est pour ça, je vous en ai mis plusieurs. Voilà. Et après, on a ce jeu. Alors, ce jeu, c'est, je crois qu'il est sorti en 85. Donc il est aussi vieux que vous, non? C'est ça? C'est ça. Ouais, donc Simon, vous en avez un si vous voulez jouer. Ouais, il est tout jeune et tout beau aussi. Donc on appuie, on est d'accord? On commence la partie, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce bruit chez moi, je ne peux plus. Allez-y, allez-y. Vous voulez que je... Non, allez-y. Je vous en ai offert un, j'ai vu que vous ne le vouliez pas. Du coup. Ben voilà, donc en fait, il va y avoir des lumières qui vont s'afficher et on doit reproduire les combinaisons, d'accord? Voilà. Le jaune, ok, encore. Ensuite, ça va. Là, j'ai gagné. Et ça va s'accentuer comme ça. Là, évidemment, il y en avait 3, c'est facile. Mais quand vous avez des combinaisons de 10 lumières qui flashouillent de partout, forcément, c'est plus compliqué. C'est vrai. Super idée. Ça s'appelle Simon. Ça s'appelle Simon, ouais. Et c'est pour les enfants à partir de quel âge, vous diriez? 8 ans? Je ne sais pas, Benjamin, merci. Mais si, sur votre fiche, il y a écrit 8 ans. 5, 6 ans. Ah, pardon. Il y a écrit 8 ans et c'est plus de 20, et c'est 24 euros. Voilà, c'est 8 ans. Merci. Enfin, que ferais-je sans vous? Vraiment. Tenez, je vous laisse parce qu'il fait du bruit. Ouais, c'est insupportable. Bah, c'était un cadeau. À cette heure-ci de l'émission, c'est un grand moment. C'est l'heure de Quand j'étais petit, chronique où nous, on se réunit. Entre nous, on se dit t'aimes qui, toi, dans la vie? Ah, ben moi, j'aime lui, j'aime elle, etc. Et ben, on va l'appeler, on va lui demander de se raconter quand il était enfant. Aujourd'hui, unanimité pour notre invité, puisque c'est Gringe qui se raconte Quand j'étais petit. C'est parti. Bonjour Gringe. Bonjour, vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Énorme plaisir d'être même virtuellement avec vous, ça nous fait très plaisir. Je rappelle que vous êtes rappeur, que vous êtes acteur, que vous êtes auteur, rappeur. On peut parler des casseurs-flotteurs, bien sûr, votre duo avec Aurel San. Le film Commencez loin, film culte, je le dis à ceux qui ne l'ont pas vu, c'est à voir absolument. Je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu? Eh ben, vous savez ce que vous allez faire ce week-end. Ou bien sûr, Bloqué. Je précise aussi que vous venez de sortir un très beau livre qui s'appelle Ensemble, on aboie en silence aux éditions HarperCollins. Livre bouleversant, une déclaration d'amour fraternel. Vous racontez notamment le diagnostic de schizophrénie de votre frère, mais j'en dis pas plus puisque vous allez revenir bientôt dans notre émission pour en parler spécifiquement. Tout d'abord, vous êtes d'accord de nous raconter un peu comment vous étiez jeune? Vous étiez quel genre d'enfant? J'étais quel genre d'enfant? J'avais déjà du mal à me lever à midi. C'était déjà un horaire compliqué pour moi, petit. Donc là, je me réveille et petit, il fallait qu'on me tire du lit, quoi. Mais j'étais un enfant dans la lune. J'étais un enfant dans la lune. Je pense que si je devais me résumer en... tu veux mettre en avant une caractéristique, c'était vraiment dans la lune, quoi, déconnecté. On dit souvent que les enfants dans la lune et plus tard les adultes dans la lune font des personnes créatives. Est-ce que vous étiez déjà créatif, ce que vous êtes évidemment aujourd'hui?
Est-ce que j'étais créatif? En tout cas, oui, j'avais une imagination fertile, quoi. J'écrivais, je lisais beaucoup, je me racontais des histoires. Mais j'avais de vrais moments de déconnexion, de vrais moments d'absence, et je pense que ouais, je me fabriquais des histoires. Mmh. Ouais, j'avais déjà ça, quoi. Vous rêviez de faire quoi quand vous serez grand? Je rêvais de faire quoi quand je serai grand? J'en avais pas la moindre idée, vraiment. Hein, ça m'a suivi toute ma primaire, là, quand il fallait, sur les fiches, le jour de la rentrée des classes, mettre le métier souhaité. Je savais jamais trop quoi mettre. Je pense qu'il y avait... j'ai dû deux, trois fois dire que je voulais être vétérinaire. Enfin, j'avais un truc avec les animaux, j'étais déjà un amoureux des animaux. Voilà. Mais c'est un truc qui m'accompagne toujours, quoi. J'ai toujours dans un coin de ma tête l'idée de peut-être un jour bosser avec des animaux. Je ne sais pas de quelle manière, mais j'avais ça petit, un petit peu. Peut-être ouvrir une ferme auberge quelque part avec plein d'animaux. Une ferme auberge. Ben, c'est une bonne idée, non? Moi, je viendrai chez vous, en tout cas. Hein, je vous le dis direct. C'était quoi votre passion, à part les animaux, votre passion de l'époque? C'était quoi ma passion de l'époque? Là, c'est compliqué. Non, mais je pense comme tous les petits garçons, les petits mecs de mon âge, j'étais dans le foot, ou c'est vraiment des trucs ballots, hein. Y a rien d'original, mais j'étais à fond dans le foot, ouais. Et je me rappelle m'être inscrit dans le club de ma ville parce que mon meilleur ennemi y allait pour se rapprocher de mon meilleur pote. Et ça me foutait les glandes. Et du coup, je me suis inscrit comme ça. Mais après, j'ai joué de longues années et j'ai joué à un niveau correct. Et vous étiez meilleur que lui, que le gars en question, le relou, là? Ah, pas au début, non. Non, pas au début. Et avec, ouais. Avec les années, vous l'avez torché, je suis sûr. En pratiquant un peu, ouais, je pense que je l'ai vite torché, ouais. Et il fait moins son malin aujourd'hui. Vous écoutiez quelle musique, Gringe? C'était les musiques de mes parents. C'était Eddie Louis, c'était du jazz, ou c'était de la chanson française, du rock. Je sais pas quoi j'ai été baigné. J'ai été bercé à du Bobby Lapointe, je pense. Des trucs que mes parents écoutaient, quoi. Ouais. Ou des choses que mes parents nous transmettaient. Pas forcément des choses qu'ils écoutaient encore eux, mais qu'ils nous transmettaient, ouais, à moi et mon frère. Et aujourd'hui, il y a plein d'ados qui sont aujourd'hui ados, qui, quand dans 20 ans, se rappelleront ce qu'ils écoutaient à leur époque, ils vous citeront, vous avez conscience, j'imagine, de toucher énormément, vous et dans votre duo avec Orelsan, énormément d'ados que, bon, en ce moment, forcément, on voit un peu moins sur scène. Vous avez des retours d'adolescents, vous avez conscience de marquer ces ados? J'ai conscience d'avoir marqué une certaine jeunesse fut un temps, parce que Casseur Flotteur c'est révolu, hein, c'était il y a 5-6 ans, mais c'est quand même pas une musique à mettre entre toutes les oreilles. Ouais, Casseur quand on Flotteur, dit ado, avait... c'est ado plutôt 18 ans que 12 ans, quoi. Ouais, voilà, ouais, y avait des textes un peu limites, des trucs volontairement provoques et parfois un peu trash, quoi, mais... non, mais si, j'ai conscience de ça, même sur mon album solo, c'est marrant, c'est des, quand je rencontre des gens, c'est des morceaux, c'est pas forcément nos albums ou mon album, c'est des morceaux qui accompagnent des gens à des endroits de leur vie, et ça, c'est un truc dont on prend pas forcément la mesure quand on est artiste. Il y a des morceaux qui ont parfois des... qui accompagnent les gens à travers leurs épreuves, ou qui peuvent servir de pansement, et ça c'est chouette, ouais, de se dire que ce qu'on fait a du sens aussi pour ça. Et qu'on ne le voit pas forcément venir, vous voulez dire quand vous écrivez vous une chanson, vous dites, ouais, voilà. Vous ne voyez pas forcément laquelle va parler à une génération, aux jeunes ou aux moins jeunes d'ailleurs. Ouais, exactement. Non, quand on écrit, généralement ça part d'une démarche assez égoïste où je pense qu'on a des choses à réparer soi-même, ou des choses à raconter, à décoffrer pour soi. En tout cas, c'est mon approche de la musique et de l'écriture, je le fais d'abord pour moi. Et puis oui, après on voit la manière dont ça ricoche sur les gens, dont ça peut les accompagner, les toucher. Et à l'arrivée, c'est vraiment ce qui donne du sens quand on en prend conscience pleinement. Ouais. Vous disiez tout à l'heure que petit vous aimiez écrire. C'est un conseil peut-être qu'on peut donner aux parents d'ados. C'est que par l'écriture, on peut. Ça vous permettait de lutter contre une forme de mal-être, contre une forme du petit blues que tous les ados connaissent? Oh ouais, non, c'était... moi, c'était plus dans l'idée d'appartenir à un groupe, le rap, au début, je sais pas, j'ai dû écrire mes premiers textes à 14-15 ans, mais c'est parce que à Cergy, où je vivais à l'époque, c'était une musique déjà installée, quoi. C'était les prémices, mais c'était déjà installé, et voilà, si on voulait en être, il fallait être soit, c'est assez réducteur dit comme ça, mais il fallait soit faire du foot, ça allait soit rapper, graffer, danser, faire du DJing, enfin, il y avait plein de trucs, mais c'était des disciplines qui étaient
qui était déjà hyper ancré et j'avais envie d'écrire. Moi, j'avais la tchatche et j'aimais écrire et voilà, donc je me suis orienté naturellement vers l'écriture quoi, et vers le rap. Pour notre plus grand plaisir, merci beaucoup Gringe. On se voit bientôt ici donc sur un plateau pour parler d'Ensemble on aboie en silence aux éditions HarperCollins. Merci d'être vous êtes levé tôt pour nous. Aujourd'hui. Merci, je vais me recoucher. Merci beaucoup. Allez, bonne sieste. Merci. Marie, merci. Un très bon week-end à vous. Vous aussi, ma chère amie. Yasmine Ouglis également. Mais merci à vous. Je dois dire, c'est pas de l'autosatisfaction, mais que cette émission sur la mémoire, c'était cool. Donc merci beaucoup à Daphné Mistral-Bernard qui a préparé d'une main de maître. Merci beaucoup à Isabelle TPR, à toutes les équipes autour de Serge Bonafous et globalement à toutes les équipes qui travaillent sur la maison des maternelles, sur la maison des parents, qui installent ce plateau, qui changent les décors, Franck derrière la caméra, tout le monde, qu'on embrasse par les temps qui courent, pas toujours simple, pour tout le monde. Donc au nom de tout le monde, et bah, qu'est-ce que je dis? J'embrasse, combien de temps il me reste? Je peux continuer? 10 secondes? Bah 10 secondes, merci Caro. Et bah voilà, j'embrasse Caro. J'embrasse Chloé, notre stagiaire qui termine aujourd'hui. Merci Chloé. Salut Chloé. Change pas Chloé, reste la même. À bientôt tout le monde.